En fait, depuis plusieurs mois, le département s'associe au monde agricole pour dire que la filière canne doit être protégée, doit être valorisée. Et bien évidemment, ce que nous voulons, c'est exprimer notre solidarité avec le monde agricole et toute la filière canne. Parce que la filière canne fait partie de notre histoire, fait partie de notre patrimoine. La filière canne fait vivre des milliers de familles réunionnaises. Et en même temps, si demain on n'avait plus la canne, on ne sait pas par quoi on pourrait remplacer. Donc, il est important de soutenir cette filière. Et les discussions en cours, eh bien, dans ces discussions, le département est très présent. Mon vice-président Serge Jouarot, qui assure un rôle important à mes côtés, eh bien, assure cette présence du département. Dans les discussions, il faut savoir que c'est quand même l'État qui est l'interlocuteur privilégié, aussi bien des sucriers comme des planteurs. Mais on ne peut pas laisser l'État seul. Et nous sommes aux côtés de l'État comme aux côtés des planteurs. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut plus de transparence de la part des sucriers, plus de transparence. Nous voulons aussi que les planteurs qui font un travail difficile puissent tirer le maximum de revenus, ben, de leur production. Pour nous, c'est une avancée importante. Et ensuite, pour ce qui est de l'évolution des prix, eh bien, il y a des aides européennes qui peuvent être mobilisées. Il y a déjà beaucoup d'argent que l'État a accordé à la filière canne. Mais si ça ne suffit pas, il faut chercher comment aller un peu plus loin, parce que le coût des intrants augmente, le coût des engrais augmente. On demande à la filière de se rénover, de tenir compte de plus d'écologie, de solidarité écologique. Tout cela mérite un soutien financier. Et donc, nous sommes présents pour voir comment est-ce que ce soutien peut être mis en place par l'Union européenne, l'État qui sont quand même les fers de lance dans ce dossier. Et après, les collectivités, ben, nous sommes autour de la table pour entendre, écouter et surtout prendre aussi des décisions importantes.